Podium, Génération Claude François. Et ça, c'est un de mes livres préférés. C'est chez Democratic Book. Regardez ça, les enfants. C'est génial. Vous avez absolument tout Claude François, Ringo, l'époque Ringo. Vous voyez, Ringo et Sheila, les gondoles à Venise. Extraordinaire. Bon, pour nos enfants, hein, personne. Regardez. Ça, c'est pas de la veste. Hein, ça, c'est pas de la veste. C'est génial. Non, mais c'est vraiment. Voilà. Regardez, Claude François, vous avez les Claudettes. Vous allez offrir ça, c'est très drôle, parce qu'il faut vous rendre compte aussi, c'est que, mine de rien, nos enfants, bah, ils écoutent toujours Claude François. Hein, dans les boîtes, ça marche du... Regardez. C'est quand même autre chose que les choristes de Benabar. Il faut dire qu'il n'en a pas. Ça nous arrangerait bien, parce qu'on aurait autre chose à regarder que Benabar, qui fait le 500 mètres tout, voilà, tous les 5 minutes. Regardez, j'ai adoré. Vous avez, alors c'est presque érotique. J'ai pas tellement le temps pour vous la retrouver, mais je sais qu'il y a une photo qui m'a beaucoup sexuellement troublé. Je vous la retrouverai peut-être dans une autre émission, qui est franchement énorme, énorme. C'est, alors là, il y a Eddie Mitchell, mais c'est pas Eddie Mitchell. Il y a Jacques Dutronc, il y a John Lennon. Vous avez, je vous les tourne comme ça parce que j'essaye. Ah, regardez, Mike Brandt qui s'est pas fait le maillot à l'heure ouverte, c'est énorme. Vous avez toujours les Claudettes, c'est quand même sympa. Et vous avez une photo de Christophe. Et je... Ah, regardez, ça c'est pas beau. Stone et Chardin. Bon, je vous retrouverai celle-là si j'ai l'occasion. Je vous montrerai la photo de Pierre Billon aussi, torse nu, qui est quand même un grand moment de ma vie d'homme. Et vous aviez Christophe, voilà, dans une position assez... Allez-y, ça s'appelle Podium, le magazine numéro 1 des jeunes, Génération Claude François, des photos en couleur de... Les enfants pour vos parents, vos arrière-grands-parents, vos grands-mères, ça, c'est toujours un rêve.